Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu Teardown. Teardown, c'est quoi? Eh bien, c'est tout l'inverse de ce que j'ai pu faire ces dernières semaines sur ma chaîne Twitch. Pour ceux qui ont suivi un peu le contenu que je produis sur Twitch, eh bien, j'ai passé quelques semaines quand même à construire un bâtiment qui va me servir pour la série The Duke's Way sur 7 Days to Die. Et alors que je cherchais un jeu qui n'impliquait pas de construction, je suis tombé sur Teardown que j'avais vu il y a quelques temps de cela. Il nous est présenté comme un jeu de destruction dans un monde où on peut vraiment tout détruire, mais qui, en y jouant, est beaucoup plus complexe que ça et nous force à être assez stratégique dans nos décisions, rapide dans nos actions et créatif dans les façons d'accomplir les différentes missions. Enfin bon, sur ça, je ne fais pas plus attendre, c'est parti! Super ça. Nice gazon. Non, mais c'est, tu vas voir, Oldem, c'est... J'ai fait environ 2 minutes sur le jeu, juste vraiment pour voir sans me spoil. C'est vous en faites pas, les graphiques c'est pas incroyable, mais ce qui compte c'est le résultat. Ok, parfait. Mon petit garage, on prend ça comme ça délicatement. Comme ça. Comme ça, on va essayer de garder l'emplacement propre parce qu'autrement on s'en sortira pas. Donc, on va essayer de garder ça propre comme ça. Ah! Parfait! Welcome home! Remplacer le fusible. Je peux pas. Ok! Ok, puis là, c'est le classique simulation, on vérifie nos messages, puis c'est là qu'on a nos missions. Tracy, la facture est tombée, honnêtement, je suis pas sûr qu'on puisse tenir jusqu'à la fin du mois. Tu as des demandes, on doit accepter n'importe quoi, au point où on en est, sois créatif. Bisous, maman. Crime organisé familial. C'est souvent ça, hein? Tout juste arrivé, ça paraît louche, mais on a besoin d'argent. Tu prends? Bonsoir, je suis Gordon Hu, directeur général du centre commercial Evertides. J'ai un problème avec un vieux bâtiment qui bloque nos plans de construction d'une nouvelle aile. Un problème, oui. Oui, plutôt un résident qui refuse de déménager. J'ai besoin que quelqu'un puisse le détruire. Certainement, mon bon monsieur. Centre commercial. Ok. Donc, 5,2 mètres de trop. C'est pas mal le bâtiment au complet, ça. Yeah! Non, mais là... Attendez, là. Êtes-vous en train de dire que je manque de force? Yeah! Voyons, je suis pas fou. Vous dites, le propane explose lorsqu'il est lancé. Je peux pas le lancer plus fort, là. Non, mais... 5 et 4, vous comprenez que la portée des bras est quand même... proportionnelle au corps. Ok. Ça marche. Oh, mais mon dieu! Ça, ici, on est d'accord, c'est pas par hasard, là. C'est parti! On va vous organiser ça, madame. Ah, monsieur, c'est vrai, monsieur Gordon. Excellent. Comme ça. L'arbre aussi, je vous le fais gratuit. C'est le même tarif. C'est le même tarif. Ok, on va peut-être... Comment on l'avait trouvé comme ça, hein? La pelle plus... Plus en haut.
Ni vu ni connu. Donc, The fuck is this game? C'est moi j'aime dire que c'est l'inverse que ce que je faisais dernièrement. Sur 7 Days, on faisait de la construction, là, c'est tout le contraire. Ça, je peux pas détruire ça au marteau. On dit rien, ni vu, ni connu. Donc, ok, il nous manquait juste la petite cheminée ici. On va s'en occuper, vous en faites pas. Petit coup de pelle comme ça, là. Hop là, et on ramène. On ramène. 2,1 mètres de trop. Oh, arrête. 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 Ok. Hop, ça. On laisse l'appel ici. Échappe-toi, ok. C'est pas on retourne à la base, c'est échappe-toi. On voit immédiatement le comment l'entreprise fonctionne. Cible obligatoire, une sur une. Ok. Ok. Réveil. Ouais. J'essayais de faire eux. C'est. On est ici en présence de quelqu'un qui a énormément de mal à gérer ses émotions. Donc, la masse, on l'utilise souvent. Mommy! Mommy, qu'est-ce qui se passe, Mommy Tracy? Quelle matinée! Je savais qu'on n'aurait pas dû prendre ce job. Ce bâtiment était protégé et sa destruction fait maintenant l'objet d'une enquête criminelle. L'agent de police Terdiman m'a envoyé cette photo. Oh non! Ils ont dû te choper sur une caméra de surveillance pendant que tu te dirigeais vers le centre commercial. On n'a vraiment pas besoin d'une enquête. J'ai essayé de l'amadouer et elle m'a dit pouvoir peut-être étouffer ça, mais en échange d'une faveur. Ah! Donc, on va rendre service? Oh mon Dieu! La police corrompue déjà. Déjà. Célibataire et vit avec sa mère. Ah, c'est le classique, ça. C'est le classique, j'ai envie de dire. Comme Gornos. Salut! Yo! What's up? Je sais pas ce qu'elle veut, mais fais ce qu'elle demande. Elle va t'envoyer un email directement. Ok? Ah ouais, ben oui. Parisa Terdiman, une faveur. Ce n'est pas le genre de choses que je fais généralement. Ouais, on la connaît cette phrase, hein. C'est comme du violon à mes oreilles. C'est pas dans mes habitudes, mais exceptionnellement, je voudrais que tu fasses payer tout le monde. ouais, ce n'est pas le genre de choses que je fais généralement, mais une affaire donne du fil à retordre, donc je tente une nouvelle méthode. Ouais, on voit le genre de méthode. J'enquête sur un cas de fraude fiscale concernant Lawrence Lee Jr. depuis des mois maintenant, mais ses connexions m'empêchent d'obtenir un mandat. Pourriez-vous utiliser vos compétences pour emprunter, entre grandes guillemets, les ordinateurs de Lee Chemical pour que je puisse enfin accéder à leur registre de clients? Faites ça pour moi et je m'assure que votre faux passe à la trappe. Faites ça pour moi et je m'assure que votre faux passe à la trappe. Non, mais il y a un double faute pour Madame Terdiman. En plus d'être facilement corruptible, niveau français, je suis pas sûr que les examens auraient été réussis pour devenir policière. Mais bon, qui suis-je pour juger? Hein, chacun son métier. Les ordis de Lee. Appuie sur Tab pour activer et désactiver la carte et les objectifs. Bon. Sécurité, alarme incendie. Les grands incendies déclenchent l'alarme. Ok, donc on fait ça, mais sans incendie.
Donc, en gros, on ne doit pas refaire comme la dernière fois. C'est ce que je comprends. Faut pas se coucher alors si c'est des ordis de lit. On risque... C'est... Ban. Ban. Non, non, mais... Là, Non, non, mais... Hey, vous... Pour la défense de Nikes, est-ce que vous feriez des meilleures blagues avec 2 heures de sommeil deux fois de suite? J'en doute, ok? J'en doute. Parfait. Si j'en doute, Jacques le rat. Non, mais faut arrêter. Par contre, Nikes, je peux te défendre une fois, mais... Sors-toi les pieds des bols à un moment donné. Ok. C'est comme ça, puis on remet les morceaux. Comme ça, là. Hop là. Hop là. Je vous ai rajouté une fenêtre, monsieur, ok? C'est gratuit encore une fois. Toujours. C'est un peu la règle d'or chez moi. On cherche pas les clients, on rend service. Dans le fond, je suis comme un policier. Un policier qui a changé sa carrière. Servir et protéger. M'avez-vous laissé des petits cadeaux quelque part? Oh! Oh! Mais je savais pas on peut voler en plus. Ah là, ça devient un bon jeu, là. Non, non, mais je pensais que c'était un jeu de destruction, mais si c'est un jeu de vol et de destruction... Ouh! Là, ça me parle. Objet de valeur. Let's go! Doit être verrouillé. Le mur, est-ce qu'il est verrouillé, lui? Ok. Ça aussi, c'est verrouillé. Ok, vous nous avez fait un beau puzzle, là. On va être forcé de détruire des choses. Avec de la machinerie ou peu importe. Ouh! Conduire le véhicule. Oh non, arrête, 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 s'il te plaît. Ok, ici, non, l'autre côté d'abord. Je vous assure, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai déjà vu des travailleurs faire, c'est comme ça. Voilà, et voilà. Objet de valeur, yes! On a l'ordinateur en plus. Next! Ne casse pas les ordinateurs. Ben non, ben non, ben non. On est des criminels, mais on n'est pas complètement cons non plus. Ok. Ben pour l'instant, on détruit pas grand-chose, hein? Hop là. Non. Dernier ordinateur, c'est où? Ici. 4 mètres au-dessus du joueur. Il y avait une fenêtre en haut, non? Faudrait juste que je me fasse un petit chemin d'accès. Oh, regardez bien le génie. Ok, c'est... Ok, non, mais... On a peut-être avancé un peu trop, mais... On va faire ça propre quand même. Hop là! Ni vu, ni connu. Ah, puis ici, on peut pas sortir. Parfait.
Bon, mais pas plus compliqué que ça. Mission 2 terminée. 10 minutes, c'est un peu long, mais au moins on a fait ça propre. On n'a pas bourriné les objectifs. Elle va être fâchée parce que j'ai tout détruit. Un cambriolage vient d'avoir lieu chez Lee Chemical. Le responsable a causé de nombreux dégâts et emporté des équipements électroniques. PDG Lawrence Lee Jr. annonce que la sécurité va être renforcée dans les plus brefs délais. Oupsie! Bon, ben ok, ça c'est fait. Je pense qu'on peut parler d'un succès ici. Le registre indique que Lee a récemment travaillé quasiment qu'avec un seul client, qui est noté MB. Sans plus de détails, cela signifie que j'aurais besoin d'une autre faveur de votre part. Je vous avais dit, hein? Je vous avais dit, faut jamais croire des... C'est quoi? Comment elle disait ça dans l'autre message? Ce n'est pas le genre de choses que je fais généralement. On est déjà sur la deuxième mission pour Madame Terdiman. Retournez chez Lee Chemical et obtenez les appareils d'identification de leurs employés. J'aimerais pouvoir les comparer au planning de livraison pour déterminer où ils envoient leurs produits et ce que signifie MB. Prudence, ils ont apparemment installé un nouveau système de sécurité. Ok. Ils ont renforcé la sécurité. J'ai pas peur. J'ai pas peur. On y va en ninja, là. Ah oh ben! Commence bien. Ok. Ça donne quoi? Vue du dessus. Alarme incendie. Boîte d'alarme intégrée. Mais non. Ils nous ont foutu des systèmes d'alarme partout. Ça, ici, on doit bien avoir quelque chose. Non? Oh! Oh, quel génie je suis! Oh, quel génie je suis! Là, j'ai même pas vérifié d'ailleurs, c'est quoi que je fais? Je vise les cartes, les lecteurs de cartes. J'en ai trois à faire. Ok. Est-ce qu'on peut voler à nouveau des outils de valeur? Est-ce qu'ils ont été assez cons pour remettre des outils de valeur? Je sais pas comment ça fonctionne. Ramasser la cible. Pourquoi quand je fais E, ça fait le menu? Non, utiliser la sauvegarde rapide avant de déclencher l'alarme. Ok. Ben non, Big! Ben non! Ben non! C'était... panique, panique, peur, panique, souffrance, douleur, au secours. Laisse-moi entrer, please. Fais pas le con. Je me souviens pas c'était où l'autre système. Ici. Ça devait être ici. Ah. Vite. Vite, hey, il me reste 10 secondes, comment je fais? J'ai pas le temps. Ok. Je dois prévoir ma trajectoire avant même de déclencher le premier. Bon, il fallait savoir. Je pensais que j'avais une chance d'échouer, pas que c'était assuré. Je m'attendais pas à ce qu'on aille couper le câble comme ça, comme des idiots. Je veux dire. Ok, finalement. Finalement, on est pas tellement expert dans ce qu'on fait, là. Mais non, mais là, tout est calme. Il y a personne. Il y a un peu de sécurité, oui, mais sans plus. On s'en va couper un câble, déclencher tout le système d'alarme du périmètre. Big brain. Big brain.
Est-ce que je peux? Hop là. Hein? Avoir su que tout ce qui importe, c'est les systèmes d'alarme. On en a un ici en haut. Parfait. Une autre caisse ici, let's go. Dans le fond, c'est lui ici le plus difficile à aller chercher. Lui en haut. Je dis le plus difficile, non, il est pas, c'est pas difficile, c'est juste c'est le plus loin. Donc normalement, on active lui. Lui ici. Ah, oh, ok. Je viens de comprendre ce que je fais. J'arrive là. On a détruit le premier système d'alarme, on suppose. On arrive ici. Là, c'est quoi? On arrive là? Ouais. Oh, je peux accéder à lui aussi facilement. Il n'y en a aucun qui est difficile, en fait. Ok. C'est bon, j'ai compris. Le plus difficile, c'est juste d'essayer de faire ça en 60 secondes. Donc, lui, on sort, on va dans le bâtiment ici. On sort en 60 secondes quand même. Faudrait idéalement sortir par le tuyau. Si on peut briser la fenêtre, sortir par le tuyau, aller sur le toit, briser l'autre fenêtre. Ouais, on va faire ça. Ok. Le marathon, c'est cette année que ça se déroule. Champion du Canada, Gornos. Ah, fallait pas que je saute en bas. Non! Attends, pause. Pause le jeu. Pause, pause. Non, mais erreur de parcours ici. Erreur de parcours. Ça commence pas bien. On a perdu 15 secondes sur le premier. Donc, ça serait peut-être bien. On va commencer comme ça. Trouver la sortie avant. Donc, ici, on doit juste descendre d'un étage, pas deux. Si je me jette en bas, je gagne pas du temps, là. Parfait. Ici. Là. Entre les deux bâtiments. Ah, c'est facile. Ah, ça se fait bien, là. Ici, comme ça. Hop là. On descend. Secondes. L'autre bord. Oh non, merde, 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 merde. Attends, 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 laisse-nous une chance. Please. Ok. 17. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, non. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Please, arrête. Arrête, tu m'as pas vu! Temps restant 4,9 secondes. Ouais, il était temps qu'on quitte. GG. C'est pas. Je pense quand même pas que c'était un speedrun, ça. En vrai, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, donc tout le contraire de moi. Il doit tellement avoir une façon quelconque de juste traverser ici plus rapidement, puis même entre les deux premiers bâtiments. Ils sont super efficaces, même pas une minute pour faire venir l'hélico. Oh non, c'est. Je vous dis, c'est vraiment des unités très tactiques. Oh, chalumeau. Lance-flamme, peut-être, c'est pas un chalumeau, ça. Et voilà, tout le monde, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous la vidéo prévue à cet effet. Si le contenu d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live sur ma chaîne Twitch. Portez-vous bien tout le monde, c'était Eric. Ciao!